J'ai un blog et un podcast qui s'appelle Smart Jeune et 3,9. L'objectif de ces plateformes-là, c'est de donner des conseils aux étudiants, aux jeunes actifs, avec tout ce qu'on m'a donné, tous les conseils que j'ai eus dans mes lectures, dans mes discussions, d'essayer de leur transmettre ça. Je me suis posé cette question de demander le statut d'étudiant entrepreneur. Je ne sais plus qui m'avait dit de contacter le service POP de l'Université Paris Cité. Donc j'ai rempli le dossier et après, c'est passé en commission et j'ai été reçu pour obtenir ce statut. C'est comme ça que cette démarche avec le statut d'étudiant entrepreneur a commencé. Bienvenue à Université Paris Cité. Généralement, je me lève entre 6h, 6h30. Je fais un peu de sport. J'essaye, après manger, de passer un peu de temps sur mes podcasts, la vulgarisation, sur les vidéos. Une fois que ça c'est fait, je pars au travail à vélo. Ensuite, j'ai ma journée au laboratoire où il y a les expériences à mener, à analyser, à interpréter. Toute la recherche bibliographique avec les articles que je dois lire. Je m'intéresse à une sous-catégorie de leucémie qui est très rare et pour laquelle on a un traitement qui fonctionne extrêmement bien, mais on ne sait pas exactement comment ce traitement fonctionne. Et mon objectif dans ma thèse, dans mon doctorat de biologie, c'est justement de comprendre comment ce traitement fonctionne pour l'appliquer dans d'autres leucémies. C'est au niveau du processus de recherche de toujours se poser les questions, d'essayer d'y répondre. Et on avance petit à petit au cours des 3 ou 4 ans du doctorat. Et ensuite, je reprends mon vélo, je rentre chez moi. Et là, c'est la dernière partie de la journée où pendant une heure ou deux heures, je vais avancer sur le montage, les podcasts. Je me pose une question et je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce sujet-là et comment je peux en faire un épisode de podcast, comment je peux en faire un billet de blog. On a des rendez-vous avec ma référente régulièrement pour faire le point sur mes avancées sur le projet entrepreneurial et elle me fait plein de suggestions de financeurs, de personnes à contacter, d'idées, de questions aussi, pour mieux structurer le projet entrepreneurial. Donc c'est pas simplement le statut, c'est aussi tout le suivi qui est fait par le Pépite et par le service POP de l'université. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai découvert que cette zone avait une organisation particulière. La façon dont on vulgarise la science, dont on fait des podcasts, dont on fait des vidéos aujourd'hui et dans 10 ans, c'est clair que ce sera complètement différent. La voie dans laquelle je m'engage, c'est une voie qui est en perpétuel renouvellement parce qu'il y a des nouveaux outils technologiques, parce que les attentes du public changent, parce que le public change. Mais c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'on sait qu'on évolue et qu'il y a toujours cette question de s'adapter et d'apprendre de nouvelles choses. Si je me place un peu mieux. Comment peut-on avoir 2 mètres d'ADN dans chacune de nos cellules ?